Marc Padovani, bonjour. Enchanté. Vous êtes directeur national des ventes digitales chez Straumann Group. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre fonction et du groupe Straumann? Oui, bien sûr. Alors ma fonction, je l'ai pris il y a 3 ans. Ça fait quelques années que je baigne dans l'univers du digital au travers de plusieurs entreprises dans le dentaire. Et j'ai rejoint l'aventure Straumann puisqu'il y a 3 ans, on a souhaité donner une nouvelle dynamique à cette entreprise qui est connue pour être le leader mondial en implantologie. Tout à fait. Avec une orientation beaucoup plus vers les solutions digitales. Donc effectivement, l'entreprise Straumann, elle est connue à la base pour être le leader mondial en implantologie. Et depuis quelques années, on développe des solutions qui sont axés beaucoup plus sur la dentisterie esthétique pour répondre en fait aux besoins de toujours plus de patients et puis pour fournir aux praticiens des solutions qui soient vraiment adaptées aux besoins de leurs patients. Alors justement, avec tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire comment Straumann Group redonne le sourire aux patients ? Oui, c'est une très bonne question. Derrière, finalement, cette volonté se cache énormément de nouvelles solutions qui sont des solutions qui vont venir dans la continuité d'un traitement implantaire. Et donc, ça peut être des solutions orientées vers le réalignement des dents. Mais avant ça, on est beaucoup plus sur des solutions qui vont nous permettre d'anticiper énormément toutes les phases de traitement implantaire pour qu'au final, l'acte chirurgical soit beaucoup plus sûr, beaucoup plus rapide et moins anxiogène pour le patient. Et alors, vous parlez du digital, c'est l'élément essentiel dont vous avez la charge. Tout et grâce à vous, Straumann va devenir le leader dans le digital sur son métier. Qu'est-ce que Straumann a de plus aujourd'hui dans la dentisterie au niveau digital ? Et c'est une excellente question. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite et ce qu'on met en œuvre au quotidien avec les équipes implants, c'est vraiment une collaboration qui fait qu'on apporte aux praticiens des solutions qui vont lui permettre de mieux anticiper ses traitements, de pouvoir avoir une gestion des cas pré-implantaires beaucoup plus précise et beaucoup plus simple pour lui. Et notre volonté, c'est que le praticien ne passe pas trop de temps sur toutes ces étapes de planification. On a notamment une solution digitale qui s'appelle Smile in the Box, qui est une solution de sous-traitement de toutes les étapes de planification d'un traitement implantaire. Smile in the box. Exactement. Magnifique. Smile in the box. Sourire dans la boîte, en bon français. Et cette solution-là, c'est une solution où on va, à la place du praticien, faire toutes les étapes qui sont parfois un peu chronophages pour lui, de planification de traitement, évidemment sous son contrôle et avec sa validation, pour pouvoir lui livrer ensuite au cabinet une boîte dans laquelle le praticien aura tout pour pouvoir faire sa chirurgie le jour J avec des kits chirurgicaux, son provisoire qui a été établi, ses implants, ses forêts, etc. Donc tout ça, c'est une solution qui va permettre de faire gagner du temps aux praticiens et qui va permettre aux patients d'avoir une chirurgie, si évidemment c'est adapté dans son cas, une chirurgie en un temps avec une pose d'implant, une mise en charge immédiate et une mise en esthétique immédiate. C'est très clair, Marc. Combien de salariés, Straumann ? Aujourd'hui, à l'échelle du monde, on est plus de 7000 collaborateurs. D'accord. En France, on est à peu près 150 collaborateurs. Bon. C'est une société où il fait bon vivre ? C'est une société où il fait très bon bien. Vivre. On y est très, formidable. Très bien. En tout cas, ça se voit, vous avez le sourire. Smile in the box, le vôtre, il n'est pas dans la boîte. Et ça fait plaisir, on le voit. Et on est là pour ça. Merci Marc pour toutes ces informations sur cette très belle entreprise. Avec on se dit à très plaisir. Bientôt. À très bientôt.